tuned in en direct sur 99media.org. Hello everyone, welcome live on 99media.org. Aujourd'hui, en direct de la place du peuple, manifestation contre les sables bitumineux, les oléoducs et toute l'économie basée sur le pétrole. So today, I'm live from the people's place where old occupied Montreal used to be. And it's going to be a protest against pipelines, tar sands, and all the economy based around petroleum. Alors, on peut voir qu'il y a déjà beaucoup de gens d'arriver sur place. Certains groupes politiques aussi. So we can see there are quite a few people here on site. Over 100 people easily. Ah, c'est moi qui filme, là! Correct, ouais! J'ai attaqué un journaliste. Ah, ouais, ça se fait pas, ça! Liberté de la presse! Hey, we're good, you! What you got? We're doing a march from a calèche. What? The Colette right there is going to lead the march. You fucking kidding me? No, man. Alors, petit point exclusif à 99 Media, la marche sera leadée par une calèche. Voyons donc. Directement avec la calèche. Ouais. Oh, cool, shit! Pardon? Non, moi, je ne l'ai jamais eu. Hey, je le veux! J'ai marché toute la journée de jeudi avec la marche, puis je la gardais à passer. Alors, exclusive info, the demo is going to be led by this horse carriage. Y a-t-il une plus belle façon de démontrer le contre le pétrole? This is going to be true horsepower. One horsepower. Yeah, one horsepower. But what a horse. Hein? Ah oui, avec le chapeau en plus. Ah, on est toujours en direct de la place du peuple pour cette manifestation contre les oléoducs. Sable bitumineux et toute l'industrie reliée et l'économie reliée au pétrole. Ça va bien aller avec aujourd'hui, ça. Alors, les gens continuent d'arriver pour cette manifestation. People still arriving on site here for this demo. Pardon.
serai pas en troc aujourd'hui. Je serai pas en troc aujourd'hui. À mon avis, Philippe, il cherche parce que tu cherches. À mon avis, tu devrais rester ici. Un drapeau des Six Nations, Six Nations Flag. Mohawk Flag accompanying the Six Nations Flag. Alors, pour les gens qui sont pas familiers avec la Place du Peuple, aussi connue comme le Square Victoria, c'était l'endroit où Occupons Montréal avait monté son camp, directement devant le Centre de commerce mondial de Montréal, l'édifice de la Power Corp, de la famille Desmarais, la Canada Steamship Line de Paul Martin. On a l'hôtel W là, et plus au fond, on a l'arrière de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Voici le côté est. On va aller voir le petit côté sud. On a le bâtiment, le siège social de Québécois. Alors, je me dirige vers le côté sud. Voilà, le siège social de Québécois. Et sur le côté ouest, la Place du Peuple, on a la tour de la Bourse de Montréal. Je vais reprendre toutes ces infos-là. I'm going to take all these info, say all these info in English in just a moment. Et un petit peu plus loin, complètement en diagonale à l'opposé, on a les Nations Unies et l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale qui ont leur siège social aussi à Montréal, ainsi que le siège social de la Banque Nationale. So, for those of you who are not familiar with the People's Place, also known as Square Victoria, we have the Montreal World Trade Center here. Right beside it, we have Power Corporation from the Desmarais family. These guys have their hands in every political party's pocket. Then right beside it, we have the Canada Steamship Line that belongs to Paul Martin, that used to be Canada Prime Minister at one point. Beside that, we have the W Hotel. Not so relevant, but right in the back, we can barely see it, but there is the Caisse de dépôt du placement du Québec, which is the public retirement fund for the entire province here. This is where all the states, the Quebec province money is being handled from.
Next, we have the National Bank of Canada headquarters over here. Over there, still in the center of your screen, we have the United Nations with the International Civil Aviation Organization. And this is the Montreal Stock Exchange. And all the way on the south end, we have the Quebecor headquarters. So this is where Occupy Montreal used to be set up. This is where I did my very first live streamings from. This is where I find out about live streaming. So there were over 300 tents set over there in that little park over there, and all over here too. Alors, il y avait un petit rappel qu'il y avait plus de 300 tentes d'installer sur les trois zones de la place du peuple ou du Square Victoria. Quoi de mieux pour protester l'influence du pétrole que d'avoir une calèche? What better way to protest petroleum-based economy than having it? Do you remember the time the calèche came to Occupy Montréal? No. I want to know if it's the same guy. Because one night during Occupy Montréal, like it was in the second week, like at midnight or something, drunken calèche driver shows up. He's like, who wants to go for a ride? He pulls right up onto the square here. And I'm like, fuck yeah. So you go tearing around the square of the calèche. It was one of the like great moments. Okay. How is it? Alors, on est toujours en direct de la manifestation contre les oléoducs sur les ondes de 99media.org. We are still live from the pipeline protest on 99media.org. We are still at People's Place, also known as Square Victoria. Alors, on est toujours en direct de la place du peuple, aussi connu comme le nom du Carré Victoria. Qu'est-ce qu'il va? Comment? Tu l'es ici? Vous vous prenez en photo? Ouais! C'est la caméra qui se comment on pourrait dire ça? C'est un vieux challenge qui existe entre les deux. C'est un rituel. Ouais! Ça, c'est un site, ouais! On se spot puis clac clac clac. En général, j'aime souvent poigner les photographes et les caméramans. Ouais, c'est ça. Les photographes de TVA, comme moi. Ah hey! Charlotte à ta gang, là, c'est le temps, t'es live! En direct! C'est tout bien beau! Tu penses être en retard, on est encore là. Moi jusqu'à la dernière minute, je savais pas trop si je venais.
Alors, Gapa represents on side, Logo Crab aussi. Alors, des gens de tous les âges sont sur place. Des enfants, des familles. So, people of all ages, children, families, are here on site for this demo. Comment ça, t'étais pas là avant-hier? Avant-hier, je travaillais. Ah! Hey, t'as-tu vu Alléluia qui cherchait une canne? C'est-tu réglé cette affaire-là? Je sais pas, il m'a envoyé un message, j'y ai répondu, puis je suis parti 5 minutes après, il m'a toujours pas répondu. Puis je l'ai pas vu sur le site encore. Alors, on a une merveilleuse journée ensoleillée, chaude, très chaude. It's a very hot and sunny. Oh, hey! Hey, pas content de t'avoir, toi! On va regarder à midi encore! Alright! Yeah, ah oui! Ça, c'est cute! Alors, on a des températures qui doivent avoisiner le 30 degrés facile. Alors, selon Météo Média, il fait présentement 28 degrés et la température ressentie est de 31 degrés. So, according to the Weather Network, right now here in Montreal, it's 28 degrees Celsius. But it feels like 31 degrees Celsius, so putting that into Fahrenheit, I would make x2 plus 30, x2, 31, x2, 62 plus 30, so that makes it, the weather feels like at least 92 degrees Fahrenheit. Bon, un appel manqué. J'aimerais ça dans la. Si t'as la chance de pas me prendre la photo dans la cour de la City Spot à un moment donné. Ouais, ben je m'en dis comme ça parce que je sais que tu prends des stand views. C'est pire que ça, celle-là est en direct. Ouais, ok. Ouais. Maman, ça y est. Alors, des gens qui transportent le serpent du pipeline, people carrying the pipeline snake. Bonjour, bonjour tout le monde, ça va? Ouais!
On va commencer bientôt, mais avant de commencer, on va avoir quelques chansons de la chorale du peuple. Donc, tous ceux qui veulent chanter, vous êtes tous invités de venir ici à côté de la calèche, OK, pour la performance. Donc, tous ceux, les marcheurs, marcheuses qui connaissent les chansons, ou bien ceux qui veulent juste chanter avec nous, venez ici. Don't move. Ici, au coin, à côté de la côte pirate. Alors, toujours en direct de la place du peuple pour la manifestation contre les oléoducs sur les ondes de 99media.org. We are still live from the People's Place for the protest against pipeline on 99media.org. Alors, plusieurs centaines de personnes sont présentement rassemblées. Many hundreds of people are here on site for this demo. Les chanteurs, venez ici! On va commencer avec Oléoduc. Oh, non, au moins eux qui connaissent ces caméras, ils sont Canon. Canon. Tout à l'heure, je voyais que du Nikon, ouais, oh, se passe. C'est des 1, ça? Non, c'est pas. Ouais, j'y ai pensé, moi, j'ai sorti mes tatous. Ok, on est au dessus. Light cam, nice. Ouais, t'es dit cam. Toi, t'as mis comment, ça, t'as mis deux cams? Celle-là est en direct, ça va faire. Pour le cash, 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 pam pam pam. La corrida, la corrida. Ils empoisonnent pour le cash, 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 pam pam. Maladie, maladie en abondance. Allô, on se notre conscience. De nos ancêtres, notre blessé dans l'âme. Ça coulera clou, 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 pam, 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 pam. Est-ce qu'on est fou, 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 pam, 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 pam. Tout le monde, olé, j'ai comme le feeling que je vais passer bien des moments aujourd'hui à checker si mon micro est ouvert. Bannière d'Occupons le cœur de l'île.
occupy the Art of the Island's banner. Des chants interprétés par la chorale du peuple, un autre groupe issu de la fin du mouvement Occupons Montréal. So, just a few songs sung by the People's Choir, another group issued out of the Occupy Montreal movement. D'ouvrir les straps de votre cadet. Ah, ben, encore mieux. Parfait, merci. Stop Harper. Oh, oui. Parfait, merci. Mon nom c'est Alison, je fais partie de la marche des peuples pour la terre mère. Nous sommes une marche. Nous sommes une marche de 34 jours qui traverse le Québec. On est parti de Kakuna le 10 mai et nous arrivons à Kélissétaké le 14 juin. En tant que marcheurs et marcheuses, nous avons visité le territoire. Nous avons mis nos pieds sur le terrain sur lequel que nous voulons protéger. Nous avons rencontré les citoyens, les propriétaires, les municipalités et nous sommes témoins de leur peur, de leurs inquiétudes face à des énormes compagnies comme TransCanada, comme Enbridge, qui arrivent chez eux, qui leur disent « Vous n'avez pas le choix, vous devez accepter ce projet. Il n'y a rien à faire. » Et nous, on dit que non. On dit que c'est possible de créer une mobilisation citoyenne. On dit qu'au Québec, nous aussi, on est capable de se soulever contre l'arrivée des oléoducs, comme en Colombie-Britannique, comme le Northern Gateway. Comme aux États-Unis, comme le Houston Pipeline. En tant que témoins, nous avons eu, justement, en première vue, toutes ces personnes qui
qui se sentent isolés, qui se sentent seuls dans leur région, de croire qu'il est possible de voir des communautés qui vivent de manière alternative, avec des valeurs qui sont basées sur la solidarité, qui sont basées sur l'amour, qui sont basées sur le partage et la créativité. Nous avons pu parler avec ces gens-là, nous avons pris le temps de parler avec ces gens-là, parce que nous marchons et nous prenons justement le temps. Nous voulons décroître, nous voulons justement ralentir et aller vers quelque chose qui nous ressemble plus, qui nous connecte plus en tant qu'humains, qui n'est pas justement la croissance, le pétrole, l'argent, le capitalisme. Ce ne sont plus les choses en quoi nous croyons. Nous croyons en nous. Allô? Allô? Oui, ok. Donc, comme vous pouvez voir, je suis sur une calèche. Merci à Pierre, s'il vous plaît. À Pierre de nous prêter sa calèche, parce que justement, on n'a pas de pétrole aujourd'hui. Donc le concept, je vais vous expliquer vite le concept dans le fond de la manif, qui dans le fond, on essayait de montrer quelque chose de différent. Donc aujourd'hui, on va représenter ce service queue avec tout le monde avec leur chandail noir. Nous sommes le pétrole, nous sommes le sale, ok? Et nous allons inviter dans le fond un porte-parole de différents groupes citoyens qui se mobilisent contre l'arrivée des oléoducs, contre les sables bitumineux, l'expansion des sables bitumineux. Donc, chaque personne va venir sur cette calèche et elle va vous lancer un message et à la fin, elle va vous lancer sur une piste de réflexion. Donc, c'est à vous, après, de prendre le message que ces personnes-là vont vous envoyer et de discuter entre vous sur la réflexion qu'elles vous apportent. Pourquoi est-ce qu'on a pensé à ça durant la manif? Mais parce que c'est ça qu'on a fait pendant la marche. On a pris le temps justement de réfléchir à des questions assez importantes dans la société. Comment est-ce qu'on s'organise autrement? Et c'est quoi les obstacles qui sont face à nous? Donc, c'est à vous aujourd'hui de vous mettre dans nos pas, de vous mettre à notre place et justement d'embrasser l'ambiance de la marche qu'on a vécue pendant... Là, maintenant, on est rendu à 28 jours! 28 jours! Il nous reste une semaine! Et de embrasser justement ces pistes de réflexion-là que chaque personne va vous envoyer. Donc, on va faire le tour de la place des peuples et vous allez suivre la calèche. Fait que les porte-paroles vont parler pendant qu'on va être en train de marcher. Donc, juste de respecter, dans le fond, le rythme lent de la calèche et de prendre le temps de vous rencontrer. Je vous encourage fortement d'aller parler à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré encore et de justement parler de ces différentes pistes de réflexion que chaque personne va vous apporter. Donc, bonne marche, manif, et on se voit tantôt. Merci! Donc, j'invite Mélissa Molin-Dupuis de I Don't Know More Québec à venir sur la belle calèche. No more! No more! I go! No more! No more! Hey, vous savez ce qui est arrivé hein, quand on met des autochtones sur des chevaux? Ça finit jamais bien. Avant de commencer, ce serait très important pour nous tous en tant que groupe de reconnaître que ceci, ce sont des territoires, des Mohawks, des Kanyingara qui n'ont pas été cédés. Donc, c'est très important de les remercier, de nous laisser utiliser le territoire et de pouvoir être ici, y habiter, pouvoir y manifester, et faire entendre notre parole et surtout pouvoir travailler ensemble sur les questions. Sur des questions aussi importantes, que ce soit la relation entre les peuples autochtones, mais aussi le travail qu'on doit faire ensemble, entre autochtones et non-autochtones, comme celui aujourd'hui, de bloquer le passage du pipeline à travers le territoire du Québec.
C'est malheureusement une problématique que j'ai vu la naissance, d'où ça vient. J'étais allée en Alberta l'année dernière. On est allé au Healing Walk, qui est une marche. Healing Walk! à l'image même de cette marche qui vient d'être faite. Pendant une journée complète, nous avons été accueillis et on a traversé le territoire affecté par l'extraction du pétrole, des sables bitumineux. Bon profil en plus. on a été justement sur le territoire affecté par l'extraction du pétrole, des sables bitumineux. Je peux vous dire que si jamais un jour vous avez la malchance d'aller voir ça, vous allez avoir la chance de rencontrer des gens extraordinaires qui sont sur le territoire, qui défendent le territoire. Mais ce que vous allez voir, c'est carrément un cancer au cœur du Canada. Et c'est un cancer qui a grandi dans la dernière décennie. Depuis plus de 2007, on commence à noter une hausse et des cancers rares et des cancers carrément mortels, parce que l'extraction se fait sans aucun respect du territoire. Et c'est malheureusement là aussi où moi j'ai entendu pour la première fois le terme « racisme environnemental ». C'est un terme qui est utilisé pour définir une extraction environnementale qui est faite de façon irréfléchie, irrespectueuse des gens qui habitent le territoire, simplement parce que ce sont des Autochtones ou des peuples qui ne sont pas considérés comme importants, faisant partie de la population plus large. Alors, en voyant l'eau qui est extraite pour séparer le pétrole du sable, on voyait des grands lacs qui reflétaient le ciel. C'était magnifique. Sauf que ce qu'on a appris, c'est que ces lacs-là, ce n'était pas de l'eau. C'est le sous-produit, justement, de l'extraction du sable, de la séparation du sable et du pétrole. On peut voir les images à la télévision. On peut voir beaucoup de choses qui se passent. Mais quand on est là, on ne fait pas juste voir, on sent et on goûte toute la journée l'air qui est pollué par cette extraction. Et l'eau est dans des bassins non lignés. Donc, il coule jusque dans la rivière Athabasca et cette rivière-là descend à travers des communautés autochtones. Et c'est l'eau qui est bue par les communautés. C'est l'eau que les animaux boivent et que les communautés mangent. Et c'est aussi dans cette eau-là que vivent les poissons que les gens vont pêcher et manger. Donc, la chaîne alimentaire complète est affectée. Et cette extraction-là ne devrait pas exister car elle se fait au détriment de la santé des peuples autochtones et aussi, pas seulement la santé, mais aussi le bien-être social des gens. Parce qu'on a vu une hausse de la prostitution chez les jeunes femmes autochtones. On a vu une hausse même des maladies transmises sexuelles à cause du fly-in, fly-out, à cause qu'il y a une extraction majeure qui se fait. Il y a beaucoup d'argent qui coule. C'était plus rien qu'un problème écologique, c'est un problème de société. Et maintenant, de plus en plus, on se rend compte que ça touche et les Premières Nations et les peuples non autochtones. Donc, c'est important qu'on se rende compte que cette lutte-là, ce n'est plus rien qu'une lutte autochtone. On était aux premières limites de ce problème-là, mais maintenant, ça commence à toucher tout le monde. Parce que ce pipeline-là, à l'image d'une des prophéties autochtones importantes qui disait qu'un jour, des serpents géants viendraient sur le territoire et mangeraient les enfants, et mangerait le territoire, je pense qu'on peut voir le parallèle se créer assez rapidement. Donc, cette prophétie-là, elle amène toute cette histoire, toute cette responsabilité qu'on a de protéger l'eau en tant que peuple autochtone. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit que c'est une responsabilité qu'il n'y a pas seulement que les Autochtones veulent prendre, que les non-Autochtones, les Québécois, qui soient francophones, anglophones, eux aussi veulent prendre. Alors, si je peux lancer une piste de réflexion aujourd'hui, c'est une bonne question qu'on m'a posée tantôt avant que je faisais une entrevue. Tu vois beaucoup de gens qui viennent de différents backgrounds qui luttent ensemble. Est-ce que tu penses que c'est possible? Dis-moi, je peux voir un Autochtone se battre contre les pipelines et contre le non-sens de passer un pipeline, comme je peux voir un conservateur le faire aussi. Parce qu'on peut voir dans notre cœur que c'est une question environnementale, mais quelqu'un qui n'aura pas l'environnement à cœur peut se voir que, économiquement, c'est insensé. Donc, ce que je vous dirais, c'est de ne jamais oublier qu'on n'est pas en train de se battre contre des humains. On est en train de se battre contre une idée qui n'a pas de sens. Donc, plutôt que d'essayer de gagner contre quelqu'un d'autre, comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à faire joindre les autres à notre bataille?
Donc, je vous souhaite une belle marche, puis je vous remercie d'être là aujourd'hui. Tino, je vous remercie. Elle l'a dit, il n'y a pas de ça, le docteur n'est qu'un chien. C'est une chose arrivée avec les conquistadors. Mais de toute façon, les Inuits, on n'en est pas même à l'ouest. Dans l'ouest, c'est les chevaux qui sont arrivés avec les... Êtes-vous prêts à marcher? Merci Mélissa, on va passer à ça, on va tourner en rond, comme on le fait tous les jours dans ce système de pétrole. Ok, et on va commencer ça avec la chanson « Quand les peuples se mettent en marche ». Bon, quand je l'ai spoté. Ok, donc quand t'es prêt, ouais. Oh. Ok, let's go! Oh, quand les peuples se mettent en marche, oh, quand les peuples se mettent en marche, je veux marcher pour la terre. Oh, quand les peuples se mettent en marche, on peut en chanter, réveillons-nous. Allons marchons, réveillons-nous. Réveillons-nous, mais pas très loin. Réveillons-tu, crachons, jeunes-nous. Au grand réveil, se mettons là. Alors, le gros pipeline de Greenpeace. We can see Greenpeace's huge pipeline over there. On est toujours en direct de la manifestation contre les pipelines sur les ondes de 99media.org. We're still live from the pipeline protest on 99media.org. Alors, à l'instar des véhicules qui tournent en rond sur l'île Notre-Dame, cette manifestation va tourner en rond, mais elle ne brûlera aucun pétrole vu qu'elle est leadée par une calèche. So just like the cars going round and round on Notre Dame Island for the F1 weekend here in Montreal, this protest will go round and round around the people's place. But unlike the other guys going in round, this protest will not burn one single drop of oil, as it is being led by a horse-drawn carriage. Je veux marcher pour la terre mère.
faut quand les peuples se mettent en marche. Encore tout le monde. Oh, quand les peuples se mettent en marche. Oh, quand les peuples se mettent en marche. Je veux marcher pour la terre mère. Oh, quand les peuples se mettent en marche. Oh, quand les peuples se mettent en marche. Oh, quand les peuples se mettent en marche. Je veux marcher pour la terre mère. Oh, quand les peuples se mettent en marche. Alors, la manif tourne en rond autour de la place des peuples. So, the demo is still going round and round around the people's place. La tête de la manif vient de prendre une pause pour donner une chance à ce que la manif soit plus compacte. So, head of the demo just made a stop there so that the people in the back can join and be form a more tight group. Bonjour, mademoiselle. Monsieur. Comment est-ce que ça va? Ouais. Ouais, ben je voudrais faire remarquer que depuis deux ans et demi, malgré que ce soit pas le terme de la manifestation d'aujourd'hui, le SPVM fait dire à tout le monde, donnez votre itinéraire parce qu'on va pouvoir fermer les rues pour protéger les gens. Aujourd'hui, les policiers sont là, la manif est légale et les rues sont pas fermées. Donc... pas les policiers, la policière. Il y a un policier, une policière et personne sur assure place. La sécurité des citoyens. Donc, l'espèce de leitmotiv de la police en disant « Donnez l'itinéraire, on va vous assurer votre sécurité », c'est encore une fois de la bullshit. C'est pour faire plaisir aux gens qui ne veulent pas suivre le reste des nouvelles. C'est pour les convaincre que la police a toujours raison. Mais encore une autre fois, on prouve aujourd'hui que la police, quand elle passe un message, ce sont des menteurs, ce sont toujours des menteurs. On leur a prouvé à différentes reprises, dans le dépôt de leur bilan, dans les différents autres rapports qu'ils ont faits, ils mentent effrontément à la population et ils donnent de fausses excuses à la population pour essayer de cibler des gens. Merci. Alors, j'ouvre la petite seconde éditoriale de 99 Média. Fuck P6. Je ferme la seconde éditoriale de 99 Média. Ouais, m'engager, sais-tu? Pourquoi t'as deux caméras? Celle-là fait des photos, puis celle-là, elle sort en direct. Bon, alors, on m'a demandé de monter. C'est un peu instable, mais c'est vraiment charmant. Et je suis vraiment contente de vous voir tout le monde, mais je vais vous dire, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un jour sombre.
Je comprends pourquoi vous avez mis tous vos chandails noirs. C'est vraiment un jour sombre parce que la parole citoyenne n'est pas entendue, parce que les gouvernements ne font rien pour les changements climatiques. D'ailleurs, ce n'est pas des changements, c'est des dérèglements parce que c'est vraiment tout déréglé. Puis, parce que notre gouvernement dit... Excusez, j'ai besoin de mes notes. Le développement des hydrocarbures, c'est compatible avec la lutte au changement climatique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que... En tout cas... C'est l'insanité de toute façon, c'est du déni. Donc, je vais me présenter. Moi, c'est Marie-Josée Béliveau. Je représente ici la coalition Vigilance Oléoduc. Je suis une citoyenne, comme vous autres. Je suis aussi une géographe. Je suis une personne qui se sent vraiment concernée par les changements climatiques, par les dérèglements climatiques, par les oléoducs, par les sables bitumineux, par la consommation effrénée de nos ressources naturelles, notamment des hydrocarbures. Je pense qu'on se rejoint tous là-dessus. Et je pense qu'il est vraiment temps qu'on se rejoigne de plus en plus sur ces questions-là au Québec. Je salue vivement la marche des peuples pour la Terre-Mère qui contribue justement à unifier nos forces. Ils n'ont pas fait encore 700 km, mais ils vont l'avoir fait la semaine prochaine quand ils vont arriver à Kanesatake. Donc, c'est tout un exploit. Puis, tout le long de leur marche, ils ont fait les ambassadeurs auprès des citoyens pour parler justement de toutes ces problématiques-là. Donc, je trouve qu'ils sont extraordinaires. En tout cas, vraiment, bravo! Merci! Présentement, alors que ça devrait aller de soi, on parle presque pas d'économie d'énergie, on parle presque pas d'énergie verte. Il est vraiment temps qu'on aille briser ce cercle visqueux-là. Donc, ça a déjà commencé avec la marche des peuples, puis avec toutes vous autres, avec toutes les énergies que vous mettez partout pour sensibiliser, je suis sûre, tout autour de vous. Donc, continuez, lâchez pas, on va être de plus en plus nombreux. Puis, la Coalition Vigilance Oléoduc, c'est une organisation citoyenne. On voit aussi avec cette organisation-là que la parole citoyenne, c'est vraiment difficile de se faire entendre dans toutes les instances gouvernementales, dans toutes les consultations, qui s'appellent consultations, mais qui sont déjà, les décisions sont déjà prises, c'est clair, là, on fait juste du semblant et du théâtre. Donc, c'est vraiment temps que ça change, qu'on écoute les citoyens, c'est vraiment temps qu'on se fasse écouter. Alors, la marche, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire pour ça. Excusez. Mais il faut continuer. Les citoyens ont l'air petits, mais quand ils sont unifiés, ils sont vraiment, mais vraiment forts. On l'a vu dans d'autres luttes au Québec. Et pour qu'on s'unifie, j'ai amené aussi un petit bout de quelque chose ici. Ceux qui me connaissent un peu plus savent c'est quoi. C'est un morceau de sable bitumineux. Donc, j'aimerais ça ramener à votre conscience, à la conscience du Québec aujourd'hui. C'est quoi qui se passe? C'est quoi qui s'en vient? Oui, c'est ça qui s'en vient. Oui, c'est le développement des énergies sales qui s'en vient au Québec ici aussi, en Alberta. Donc ça, c'est un morceau, un Little Piece of Alberta, qui vient du centre de découverte des sables bitumineux à Fort McMurray en Alberta. Vous pouvez le sentir, ça sent pas bon. Puis ça s'en vient ici, puis ça va passer par des oléoducs, par des trains, comme on le voit aussi. Donc, il est vraiment temps qu'on fasse quelque chose pour pas que cette chose-là s'en vienne ici. Il est vraiment temps aussi qu'on fasse quelque chose contre tous les projets d'oléoducs qui se développent présentement. Il est vraiment temps qu'on s'unifie et qu'on change les choses pour pas aller plus dans le développement des hydrocarbures. Donc, la question, ou en tout cas la piste de réflexion que je voudrais vous emmener, Mélissa a déjà un peu commencé tantôt avec ça, mais c'est comment s'unifier et comment faire entendre plus la parole citoyenne. Donc, comment qu'on peut faire pour se faire entendre plus?
c'est quoi le step en avant là, qu'il faut qu'on fasse là? Alors, peut-être réfléchir là-dessus dans le prochain tour que vous allez faire. Puis je vous remercie vraiment beaucoup d'être là, même si c'est une journée sombre, parce qu'on fait rien pour les changements climatiques, puis parce que la parole citoyenne n'est pas assez entendue. Vous me faites vraiment plaisir en étant tous ici, puis ça me réchauffe le cœur. Merci, bravo! Excuse-moi pour le petit. Voici une chanson pour notre excuse. Stephen Harper a pied militaire. On répète. Stephen Harper a pied militaire. Un pied militaire. Le pied militaire de Stephen. Le pied militaire de Harper. Le pied militaire de Stephen. Le pied militaire de Harper. Stephen Harper a cœur de pierre. Ben Harper, un cœur de pierre. Un cœur de pierre. Un cœur de pierre. Un pied militaire. Un pied militaire. Le pied militaire de Stephen. Le pied militaire de Harper. Le pied militaire de Stephen. Le pied militaire de Harper. Stephen Harper and Mary Lewis. Stephen Harper and Mary Lewis. Une marine, un cœur de pierre, un cœur de pierre, un pied militaire, un pied militaire, le pied militaire de Stephen, le pied militaire de Harper, le pied militaire de Stephen, le pied militaire de Harper. Stephen Harper a des poids de politique. Stephen Harper a des poids de politique. Le pied militaire de Harper. Stephen Harper, un royal. Stephen Harper, un royal. Un royal. Un royal. Une barbotique. Une barbotique. Une Mary Lou. Une Mary Lou. Un cœur de pierre. Un cœur de pierre. Un pied militaire. Un pied militaire. Un pied militaire. De Stephen, le pied militaire de Harper, le pied militaire de Stephen, le pied militaire de Harper. Stephen Harper, un langue de bois. Stephen Harper, un langue de bois. Une langue de bois. Une langue de bois. Un nez royal. Un nez royal. Une voix robotique. Une voix robotique. Une marie. Une marie. Un cœur de pierre. Un cœur de pierre. Un pied militaire. Un pied militaire. Le pied militaire de Stephen. Le pied militaire de Harper. Le pied militaire de Stephen. Le pied militaire de Harper. Stephen Harper a les oreilles bouchées. Stephen Harper a les oreilles bouchées. Les oreilles bouchées. Les oreilles bouchées. Une langue de bois. Une langue de bois. Un nez royal. Un nez royal. Une voix robotique. Une voix robotique. Une main rieuse. Une main rieuse. Un cœur de pierre. Un cœur de pierre. Un pied militaire. Pipeline snake. Le pied militaire de Stephen. Alors, toujours en direct de la manifestation contre les oléoducs sur les ondes de 99media.org. We are still live from the protests against pipelines on 99media.